Tout le monde, c'est Vintage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme d'habitude, si t'es nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Pensez également au petit pouce bleu et bien sûr, tous rentrer le code créateur FintechSBE dans la boutique #AD dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait juste super plaisir. En majuscule ou en minuscule, c'est la même chose. Et bien sûr, bonne vidéo. Tu peux le voir, je fais des cadeaux sous Fortnite. Du coup, si tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit une émote ou un skin, bah pour ça, c'est vraiment super simple. Première chose, si tu t'abonnes à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, faudra juste penser au petit pouce bleu. Et bien sûr, code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite. Vraiment super important. Je te souhaite une bonne chance. Et bien sûr, on n'oublie pas de tous commenter votre pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Voilà, vous mettez bonne vidéo juste à côté votre pseudo Epic Games. C'était Fintech. Je te souhaite une bonne chance. C'est une bonne idée. Ok, bien salut tout le monde, c'est Fintech, j'espère que vous allez tous hyper bien. Bien écoutez, Pimper, vraiment super bien. Aujourd'hui simplement, je vais présenter un tout nouveau glitch du DXP à réaliser sur Fortnite Battle Royale. Mais comme d'habitude, je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Code créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite. Première étape du glitch, vous allez lancer une game. Une fois spawn dans la game, votre but ce sera de vous rendre juste en haut du corny complexe, juste ici. Une fois arrivé à la forme juste en haut du corny complexe, moi je vous conseille d'abord d'aller là. C'est un champ, il y a vraiment plein de salades. Arrivé sur le champ de salades, votre but sera de tous les ramasser. Du coup là, mon premier champ est terminé, ça fait 3800 XP. Maintenant je vous conseille d'aller là-bas pour faire le deuxième champ de salades. Arrivé sur le deuxième champ, vous allez recommencer ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire tous les prendre. Là, comme vous pouvez le voir, ça m'a donné jusqu'à 25 XP, ça m'a donné jusqu'à 800 XP, contrairement à là-bas. Alors c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller plus là-bas pour vraiment plus le faire. Et à chaque fois ce que vous allez recommencer la game si vous voulez vraiment ferme. C'était Fintech, en espérant vraiment que ces petites vidéos de glitch sur Fortnite Battle Royale vous a plu. Je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube Code Créateur FintechSBE dans la boutique Fortnite. Allez, ciao tout le monde. Thank you.